Bonjour. Alors, on va faire des embellissements en liège. On avait tous acheté ça plus ou moins, hein, plus ou moins à Action. Ces rouleaux de liège là, qui sont assez fins d'ailleurs et qui sont autocollants. Derrière, vous enlevez le papier comme ça. Voyez, hop, et ils sont autocollants. Enfin, vous avez compris, hein, voilà, vous enlevez le papier et ça colle. Donc, je vais vous montrer qu'avec ça, on peut faire des embellissements comme on fait avec du papier. Pareil, c'est la même chose. Je découpe dans mon rouleau un bout de liège et je vous passe sur mes mains. Allez, je vous passe sur mes mains et je prends un die. On va prendre une fleur. Hop, je mets dans la machine. Voilà, la petite suffira. Pas besoin de sortir la grosse bitchotte, celle-là, elle va très bien pour faire ça, puisque le die y passe. Alors, ça va peut-être bouger, c'est normal. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir, ça fait très très bien, ça marche nickel. Hop là. Alors, je vais sortir le papier là derrière. Alors, il faut y aller doucement puisqu'il est autocollant, le papier s'enlève autrement si on tire comme un bourrin dessus. Voilà, et voilà, j'ai ma fleur. J'ai plus qu'à enlever ce qui est le collant derrière. Et je peux la coller n'importe où, sur un papier, n'importe lequel. Voilà, hop. Et là, au milieu, on peut mettre des perles, enfin ce qu'on veut, pour l'embellir. Donc, vous voyez, j'ai fait des plumes. Ça marche très bien aussi avec les plumes. Voilà, j'ai fait des petites plumes. J'ai fait des nœuds. Là, j'ai fait un gros nœud. J'ai fait des lettres. Ça marche aussi. On peut faire des lettres. Ça marche très bien aussi. Vous voyez, même si c'est fin, ça marche quand même. Enfin, il ne faut pas que ce soit de la dentelle non plus. Ça ne marche pas. Enfin, ça se défait le papier derrière. J'ai fait des étiquettes. Alors, j'ai tamponné le mot là en avant la compagnie. Je l'ai tamponné avec de l'encre Stazen. Il faut prendre de l'encre Stazen pour les surfaces poreuses, comme ça. C'est l'encre qui fait le mieux. Et vous voyez, pourtant, c'est écrit fin. Ben, ça marche quand même. Ça marche même très bien. Un petit coin de paradis. Voilà. Et j'ai fait. Ah ouais, on peut faire des nœuds, comme je vous ai montré tout à l'heure. De toutes sortes d'embellissements. Voilà. Après, c'est libre cours à l'imagination. On fait ce que l'on veut. Mais ça marche très bien. C'est ça qui est bien. Voilà. Je voulais vous laisser. Ben, je vais vous mettre tout ça. Regardez, j'ai fait des étiquettes aussi. Voilà. Alors, le papier, il rebique un peu parce que, évidemment, c'est roulé. Alors, voilà. Ça rebique un peu. Mais une fois que c'est collé, après, ben, ça ne fera plus la rebiquette là. Je ne sais pas comment on dit. Ça gondolera plus. Voilà. Ce serait plus le terme approprié. Voilà, alors n'oubliez pas, utilisez de l'encre Stazen noire. Moi, j'ai pris de l'encre Stazen noire pour faire les tamponnages hein, sur des surfaces comme ça, poreuses. C'est ce qui va le mieux. Voilà, après, laissez libre cours à votre imagination. Et ben, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!